7 30 R de L'avion transportant le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina et la délégation qui l'accompagne s'immobilise sur le tarmac de l'aéroport international de Malabo, capitale de la Guinée équatoriale, le 17 octobre 2024. Au bas de la passerelle pour l'accueil, le Premier ministre équato-guinéen Manuel Ozanzué et l'ambassadeur du Tchad en Guinée équatoriale Zakaria fadul représentant le président de la République, Mohamed Idriss Deby Itno en Guinée-Équatoriale, pour la tenue de la 25e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CASE. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, a eu droit à un accueil de grand jour. Cet accueil a été rehaussé par la colonie tchadienne au pays de Teodoro-Obyenguema, Mbazogo. Le Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina et son homologue équato-guinéen ont marqué une pause au salon d'honneur à l'aéroport, puis la délégation tchadienne s'est ébranlée en direction de Sipopo pour l'inauguration d'un centre commercial. Le Premier ministre a apprécié ce centre en véritable outil de développement économique de la Guinée équatoriale. Le séjour du Premier ministre, l'ambassadeur Alamay Halina, en Guinée équatoriale sera marquée par sa participation à la 25e session ordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC qui coïncide avec le 41e anniversaire de cette institution régionale créée en 1983.